Mais si on fait, nous sommes en Occident, ok? Chutez, monsieur, chutez, chutez, Nous chutez. sommes en Occident, chacun apporte. C'est cette complémentarité qui va faire avancer la famille. Bien, du fait que tu penses que, du fait que les femmes vont penser que, oh, comme je travaille, l'homme ne veut plus me donner, ou peut-être les femmes ont souvent une rhétorique qui va dire, ah, est-ce que c'est toi qui paye ma coiffure? Est-ce que c'est toi qui me paye ceci? Est-ce que toi qui me paye ceci? En fait, si nous voyons une différence avec les femmes blanches, la femme blanche, quand elle parle de son C'est autonomie, facile. elle s'assume. Elle s'assume, ça veut dire que si tu veux lui donner, et quand elle va se coiffer, elle va rien te demander à toi, Vous voyez ce que je OK? disais tantôt? Attends, quand elle va se, quand elle, quand, Chutez, monsieur, oui, on non, n'a laisse plus trop de non, temps laisse là. quand elle va aller se coiffer, elle va rien te demander à toi, l'homme. Mais cela ne veut dire, ce n'est pas parce qu'elle te demande pas qu'elle va te diminuer parce que tu es l'homme, parce que tu lui as Donc, promis. vous êtes en train de valoriser les femmes blanches. Non, Oui, attention, oui, oui. attention. Excusez-moi, mais Oui, selon votre mais analyse, oui. vous parlez des femmes blanches qui vont aller se coiffer sans demander de l'argent aux hommes. Oui, Contrairement aux femmes noires qui demandent de l'argent et qui demandent. mais la femme est, le fait est que la femme blanche, quand elle va même faire ça, Oui. pour elle, tu ne vas pas diminuer. Elle va pas, tu vas pas, ton charisme ne sera pas On va perdre diminué. la valeur à Tu ses vas pas yeux. va Ah, perdre vous êtes la valeur à ses d'accord? yeux. Oui, tu vas pas Vous êtes perdre. d'accord, monsieur Chouabi? Oui, Je vais revenir dans le contexte. oui, OK. oui, tu vas pas perdre. Tu vas pas perdre la valeur à ses yeux. Or, la femme africaine, pour le fait que, et c'est ce qu'elles ont, elles sont en train de nous dire ici, pour le fait que tu ne puisses pas faire ça, mais pour elle, tu n'es plus un homme. Mais non, on n'a OK. jamais dit ça, Mais non, mais en voyons. fait, c'est ce que. On n'a Non, non, jamais non, dit monsieur, ça. avancez, parce que là, vous tournez sur le Non, on même n'a point, là. jamais Ça, dit ça. vous Donc, n'avancez pas. j'ai parti d'un constat. Il faut savoir ce qui nous suit. Quand on arrive ici, on arrive avec des idées préconçues, avec une éducation qu'on nous a donnée dès le bas âge, le patriarcat, l'homme au-dessus de la femme, etc. Et c'est un gros choc quand on arrive ici parce qu'il va falloir déconstruire tout cela. Effectivement, comme Aurélie disait, tu peux voir ta femme aller au travail, ramener l'argent, s'occuper des enfants, faire la cuisine. C'est trop lourd. À un moment donné, il va falloir que tu aies du bon sens, que tu te lèves et tu dis non, chérie, je peux t'aider ici, je peux faire ceci, etc. Ce que beaucoup d'hommes ne font pas, et je déplore cela, c'est à revoir. Mais d'un autre côté, j'ai un problème avec les femmes, c'est qu'il y a toujours ce deux poids, deux mesures. Elles veulent que nous soyons les hommes africains du pays là, parce que quand il en vient qu'elle met son argent sur la table, ça commence déjà à déranger. C'est-à-dire une, deux, trois fois, c'est correct. Mais quand ça devient trop long, c'est oh, chérie, c'est toi qui. Ça me dérange, ça. À un moment donné, il faudrait que, oui, quand on arrive, si on gagne nos valeurs, mais qu'on comprenne aussi, hommes et femmes, que la société dans laquelle nous vivons a ses codes. Et on va prendre les bonnes choses de ce code qui est la femme va travailler, l'homme va travailler, on se complète. Mais quand on se complète, il ne faut pas que la femme, entre-temps, rechigne en arrière, rumine en arrière, que non, 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 non. C'est ça le gros problème. C'est ça le problème. Ouais. Vous savez? Je vais chuter, je vais rajouter quelque chose par rapport à ce que Monsieur Chouapi a dit. OK. Voilà donc le réel problème qu'on a. On veut prendre le bon côté de l'Occident et on ne veut pas lâcher nos mauvaises habitudes. Je prends le cas de ce que le monsieur a dit tantôt, tout à l'heure, en disant Monsieur Joseph? oui, Monsieur Joseph, il a dit que la femme africaine, quand elle ira se coiffer, elle va demander ci, elle va demander ça. Mais sauf qu'il faut noter que lorsque nos frères africains sont dans des mariages avec des femmes occidentales, ils font même ce que, en fait, tellement ils sont gentils, ils font le ménage, ils font la cuisine, ils font ci, ils font ça. Mais avec les Africaines, ils ont de la peine à faire. Mais pourquoi vous avez de la peine à faire? Parce que, avec la femme occidentale, elle te demandera pas l'argent pour aller se coiffer, ça ne diminuera pas ta valeur. Vous avez Mais des pourquoi preuves? Vous donc? avez des preuves? Ben oui, on en a beaucoup. On a des collègues de travail avec qui on discute parfois de nos vies, de couple et tout. Mais pourquoi l'homme africain a ce problème quand il est marié avec sa sœur africaine? Pour lui, il estime que c'est juste une aide. Pourtant, avec la femme occidentale, il doit le faire. On ne discute pas. C'est chacun qui fait sa part. Mais pourquoi ça? C'est ça, en fait, le problème avec les Africains. Prenez la chose, vous assumez tout ce qui va avec de mauvais. Comme j'ai dit tantôt, pour moi, qu'est-ce qu'il faudrait choisir? Qu'est-ce qu'il faudrait laisser? C'est ça, en fait. Faudrait pas dire que j'aide ma femme. Avec la femme occidentale, on ne l'aide pas. Tu vas faire. On ne discute pas. Et tu vas faire. C'est ça. Bon.